Voilà, alors je viens de le découvrir, moi. Je me disais, chaque fois que j'ouvrais la machine, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Je regardais ce qui se passait et j'ai découvert tout ça. Regardez-vous chez vous, peut-être, vous aurez le même problème. Voyez, ça se colle derrière là, derrière le joint. Voilà, on va profiter pour faire le filtre. Alors j'ai découpé une bouteille. Un bisou. Dans mon modèle, vous avez un petit tuyau qui sort avec un petit bouchon. On le dépose, on l'enlève et on fait couler l'eau dans la bouteille. Voilà déjà une partie enlevée. Il en reste encore. Maintenant, on va enlever la petite trappe. Moi, c'est comme ça. Vous, ça trouve sûrement d'une autre façon. Vous voyez la forme que j'ai coupée la bouteille. Je la mets comme ça. Je commence. Oh, des fois c'est dur. Voilà, on dévisse ça. Et on récupère tout l'eau qui sort maintenant. Là, il n'y en avait pas beaucoup. Et étant donné que je le fais souvent, normalement, mon filtre, l'eau, il n'y a pas trop, c'est pas trop sale. Et vous voyez, le filtre, il n'y a pas grand-chose, hein, mais je le fais souvent. Maintenant, on lave bien tout ça, on remet en place. Et voilà.